Appuyez sur le bouton. Aïe ça. Bon alors combien de zergs? C'est ça la vraie question. Déjà ça commence par un terrain qui est gold. C'est bizarre en soi. Ah non, il est aléatoire. Il fonce des mecs. Ça devrait être easy ça. En aléatoire. Ça sent le cyclone ça. J'sais... Non, non, il est aléatoire, aléatoire. Ah ok. Oh putain, j'en parle. Mon boucan, même en aléatoire, il tombe sur Zerg, les mecs. Il a poussé sa poule, 17 poules, ok. C'est une sorte de scène build. Pas se burner dans les touches. C'est toi, Oni, là? Je suis là, ouais. Oh, c'est... Mais attends, non, je suis sur le jeu encore. Ok, d'abord. Oh, mais c'est qui est sur le stream, du coup? Ah non, c'est pas bon. Ouais, je te dis. Ces herbes ici. Tu l'as cru qu'il allait m'assiéger, tu sais.
C'est ça, frère. Je te fous les petits doigts dans le cul, monsieur. Monsieur. Il est en train de faire des bains. Nice bendings. Je vois, il a dégarpé cette position. C'est quoi avec une VSP, moi? Limite avec tout ça on peut y aller frontal en fait. Ah non les chats commencez pas à faire n'importe quoi maintenant. Ah les bâtards ils vont commencer à se fighter maintenant. Il a pris un coup de patte. Fils de pute. Ah, je finis ma quête. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Mais encore une micro de merde. Putain, c'est mort. Mais.
pourquoi on peut pas t'éclic, quoi, je comprends pas. Allez, ta mère la pute. J'ai la taille qui est pile poil à ce moment-là. Quel enculé de sa mère et de son père. Quel fils de pute. Oh, je suis salé. J'ai pas de chance. Avec tout est siégé, hein. Je dessiège le genre 90% des tanks pour y aller. Hey, au timing. Et là le mec il est en face de chez moi. Genre mais sur moi quoi, au moment tu sais. Pédéraste. Il avait pas grave vu. Chatte à sa grand-mère. Y'a que les protos qui ont des observateurs camouflés. Ouais, où il avait la vue avec avec quoi? Il a mis un observateur avec son attaque, mais ça c'était pas dans le business. Est-ce que ce niveau là ça rentre? Ouais, je crois que ça rentre à ce niveau là. Vas-y, tu sais quoi, frère. J'ai juste besoin de gagner là. Présente-toi pas. Merde! Ouah, j'appuie pas sur la bonne touche. Cake. Vas-y, vas-y, je sais pas pourquoi je fais ça. Je peux concentrer là, tiens. Fini de te secouer, toi? Non, je me touille un yaourt qui est. De base, j'ai gratiné pour qu'il soit crémeux. La laitière. Gélatiné. Non, tu sais, la laitière et la vanille, tu vois comment c'est solide, c'est ferme. C'est figé, quoi. La laitière ouais. À la vanille? Voilà. Le gaffe de ça, moi. Ah, t'as vu, c'est figé. Eh ben, moi, j'aime bien quand c'est crémeux, donc je le touille. Je... Pendant... Ah ouais, moi, je... ouais. Ouais, faudrait que j'essaye. Ah, essaye, moi, je le touille pendant une bonne minute et c'est bien crémeux. Après, j'aime bien comme ça, moi. J'aime bien les galetières en général, hein, tous, hein, quand ils sont. Le meilleur c'est pâtissier. Comment ça pâtissier? Eh, goût fruit pâtissier, frère. T'as l'impression de manger des gâteaux, alors qu'en fait c'est des desserts. Ça existe même, c'est galetières qui a fait ça en premier, mais après t'as eu d'autres marques qui le font maintenant. Genre t'as pomme, généralement c'est un pack et t'as plusieurs goûts dedans, t'as pomme tarte. Tartatin, ta fraise façon ouais, fraisier. Mais ça, ils font n'importe quoi, ces fils de pute. Comme ça, et c'est tarpin bon. Ils vont prendre une calotte chacun. Busé quoi. Allez, ça devait être joli ça. J'ai dû faire une sacrée ganache là. Ça devait être du propre. Ah, tu sais contre quoi tu joues, je te fais gaffe. Je suis désolé, bizarre. Je suis franchement désolé. J'aimerais bien avoir une moyenne plus haute que 29 drones, mais. Que 29 ouvriers, mais. Donc sur des gens qui chattent quand je veux faire des expands et tout là. Je passe des temps, beaucoup trop de temps dans des games pour les finalement les perdre. Parce que
que le mec il a chaté toute sa vie quoi. En plus, s'il avait la vision, c'est GG, c'est moi le bolos, mais il me semble pas qu'il avait la vision. Quoi. Je suis un bolos, ça. Il va avoir à vivre avec l'anti-clock. Regarde tout ce qu'il y a, frère. Pourquoi il a back en vrai? Je sais pas frère, mais t'es pas gagnant. Bah non, je crois pas que je sois gagnant. Il te faut des medivac évidemment. Oh, j'ai même pas chopé le bane. Holy shit. Il est sérieux, lui, ce fils de... Attends, peut-être son speed bane. Il l'avait pas là. Ça s'est vu que le bane il était plus long. Peut-être qu'il attend quoi. Ce marine, je vais le laisser dans la fougère là. Attends, il me faut une place où je peux micro. Ici. Pour faut me faire que Nel. Va te faire que Nel. Sois pas un petit peu sur TS, je vais me faire des gueules, des games, je reviens un peu plus tard au cas où. Dis-moi vieux. Salut. User left your channel. Maintenant il avait tout, hein. Il avait tout devant chez lui. Hein. Maintenant il veut plus m'attaquer ce fils de flûte. Attends, je vais faire 2 secondes trop de macro là. Et il va être chez moi, tu vois. Un split un peu plus. Frère, comment ça passe? C'est une minerai, je récolte sur 2 bases là, bordel de merde. J'ai sucé pour ce medivac. Toute ma vie, frère. Pas ici. Pas ici de nuit. Boum,
encore me prendre la queue par ce zerg qui est juste qui m'a contrôle quoi. Ça me casse les couilles. Écoute-moi bien, cousin. Y'a pas de creep. Oula, ça sent le sapin cette histoire. Ça sent le cul. Il rentre chez ta mère. Je vous sers pas longtemps. Merci à toi aussi, Amanda. Ah, t'as dit quoi, Oni? C'est qui ce type? Il y avait pas beaucoup, un peu beaucoup de queens pour une bear. Mais c'est sa B3 ça. Ah ouais? Oh, je suis fracassé. C'est les upgrades qui l'ont stomp. Il était 0-0 la première fois que j'avais regardé. Mais mon micro il marche sur le stream? What the fuck? Je sais pas, j'ai pas le son du stream pour t'en avoir un écho. Je me mute vite fait. Allume le stream. Microphone muted. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Ah, mais c'est même parce que t'es FDP. 1-2 test Tony, 1-2 test Tony, Quenel, test Tony, Quenel. Pas l'enculé. 1-2-1-2. Microphone activated. Ouais, je t'entends sur le truc. Tu m'entends bien ou? Ouais, je t'entends nickel. Parce qu'avec l'histoire que j'avais changé de truc là. Gardoni, je te montre un BO contre Protoss. Vas-y, je suis chaud. Ah, je viens d'entendre ma voix en écho sur le stream. J'ai vraiment une voix de skeuné total. De toxico. Il est bête. Du coup, je disais, jouer Saint-Valentin, mon pote. C'est la Saint-Valentin sur StarCraft en mode énervé. Pourquoi tous les protos ils scoutent FDP? On va voir s'ils peuvent partir sur du violeré ou pas. Non, s'il peut violer là. Est-ce que j'ouvre la porte à mon chat ou pas? Non. Non. Allez, salut. J'ai été un ami des chats. Non, mais il ouvre pas la porte. C'est pas intéressant. N'importe quoi à toi personnellement. Le bunker dans le BO, frère. C'est un petit ajout. Ah, ok, d'accord. Parce que j'ai encore chié sur comment j'avais posé mon histoire. Parce que sur cette map, c'est chelou en fait. En fonction de comment on se met l'extension,
Je me suis pas habitué. Je suis un chevreuil. Un jeune chevreuil. En quête de... de chevreuillade. Un bon cuisseau de chevreuil. Ah bah là c'est de la belle cuisse. Excellent. Là c'est vraiment ce qu'on appelle de la belle cuisse. Bien juste. Oh putain. Pas assez de minerai, pas assez de minerai. Petit aigle de poulet. Un aigle de poulet. Ah ouais. Rigolo. Ah donc c'est je suppose que c'est drop mine. Ouais mais après c'est into liberator, drop, tu fais ce que tu veux après en fait. Et tu fais surtout des libérations. Des tongs, des libérateurs, c'est rigolo. La micra. Le chat me regarde d'un air mais genre tellement vénère. En train de me envoyer des ondes mentales. Tu l'as laissé dehors? Non non non, j'ai pas ouvert. Non mais il est dedans et il veut sortir. Ah. Ah. Ça change peut-être des choses. Casse les couilles ce chat sérieux. Oh, on fout tous les soirs. Dans GTF frère, qui passe la nuit dehors, qui veut, qui se casse. Regarde, infernal. Dans sa vision des choses, monsieur, je laisse la porte ouverte, frère. Bah oui. Passe moins 55 dans l'appartement. Entendu. N'importe peu, puisque il dort dans la salle de bain. Il y a le chauffage, ce bâtard. On joue le truc. Il me regarde, genre d'un air. Vas-y, ouvre-moi la porte. Patatup. Tu as dit qu'il était scanné ou quoi? Totalement scanné, vas-y, sors, tu m'as saoulé. J'ai pas fait gaffe, il a donné quelque chose ou il a avorté. T'as pas regardé à ce moment là, t'es sérieux? Bah j'étais en train de rouler. Ah j'ai pris genre 8 probes, sans perdre les mines. Ah, propre. C'était Je suis sur la 55 là. J'ai tout mis à lui. Ah ouais, tu es une chien. Ah, il y a 10 mots. Waouh! Oh! Je fais ta micro. Prisme de transfert. Ouais, t'as plus le temps. La domination. Le royaume a perdu. Pouf. Pouf. Il a fait un petit bond. On te récolte des ressources. Tu vois ce BO là contre Protoss, c'est solide. Tu peux le faire contre Terran aussi. Oh, la micro était pas trop mauvaise là. Pour le coup. J'aurais pu faire plus mal avec ces immos. Je te parle de ma micro.
Les IMO ça fait mal contre les tanks, mais faut qu'ils connectent sur les tanks. Il y avait les mines et il y avait les libérateurs. Les libérateurs, les IMO, il peut pas les toucher. Il y avait les deux zones de libération qui étaient pas trop trop mal placées, on va dire. Et il aurait fallu qu'ils puissent taper les tanks, mais sinon les IMO c'est nul contre les Marines. Et il y a de la flingueur de tank quand même. Ouais, c'est possible ça. Ah, il a bien flingué. One shot. Pas assez de minerais. C'est le même, mais on lui a pas dit. Est-ce que je lui rentre le même gros mode jeu? C'était trop fort. Il prend le même et il ferme sa gueule. Bon, tu vas encore plusieurs lits parce qu'il est fébrile. Je sais pas si ça m'a pas convaincu ça. Ah ouais? C'est pas trop un mec des Reapers. Parce que je suis pas très bon avec. Ah ouais? T'arrives pas à faire du hit and run? Si, j'y arrive, mais. Je sais pas, je me suis pas tant que ça exercé, j'arrive pas à faire les dégâts que je veux. Enfin, je sais pas. J'ai proxy un Reaper, un 3, 2 Rax, un Zerac tout à l'heure, je crois que j'ai même pas gagné. Donc. Et je me rappelle, bah, donner ton premier Reaper pour son. Oui, j'ai donné mon premier Reaper, oui, c'est vrai. Alors qu'il faut économiser. Et sinon t'as trop essayé de jouer avec duel aussi contre sa queen. À un moment pour mettre une mine t'as perdu tellement de vie dessus. Avec les reapers faut te payer coup. Quand t'as payé l'armée. Au kite l'armée t'as payé coup, jouer avec les falaises. Pas trop de solution. Avant de taper l'armée faut qu'on ait quelques-uns des reapers quoi. Ça me démange l'oreille, mec. Bon, mais... Je démonte l'oreille. Briquet ? Ça me démange. Ah, pardon. Lui rentrer deux cheese d'affilée, c'est pas possible. Oh, t'as 19 sur 16. Quoi? T'as 19 collecteurs sur 16, non? Ou sur 18, j'ai du mal à lire. Sur 20. Sur 16. 20 sur 16. Parce que dans la logique, tu t'arrêtes jamais de produire, parce que tu vas les foutre sur B2 en fait. Un pylône à la con, un pylône. Je vais arriver avec le Steam et le plus 1, il va le sentir. Ça va lui faire bizarre. Je vais regarder qu'il y a plus marine sur la zone mail, au cas où il fasse le fou. Ça vaut pas le coup de faire un troisième lab tech sur l'Arax. Pourquoi? Tu perds trop d'unités en fait pour chercher le compulsive. Non, tu es trop tard. Tu es trop. Pas trop.
J'ai le plus un frère, tes adeptes c'est de l'eau frère. Les adeptes c'est de l'eau frère, j'ai le Steam, j'ai le plus 1 d'attaque, il me sort 2 adeptes. 144 APM pour faire ça, c'est bon. 144 APM en Protoss pour faire ça, c'est vraiment dégueulasse. Encore une troisième fois? J'en ai encore des cheese pour lui. J'en ai un autre encore plusieurs lits. Oh, Terran. Moi, je veux que tu lui fasses un proxy. Mon roulant Oni s'il te plaît, comme ça je continue à jouer. Merci gros. Vas-y. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans la boîte là. La boîte de prot. Bon, désolé, je peux pas rouler tant que t'as pas fini ta rax. Ah ouais. C'est quoi cette quenelle? Et du coup, le fait que tu mettes ton super, là, si jamais le mec il vient scout, ça il donne plus info qu'il y a une proxy. Ah si si. Le mec il a toujours pas posé sa rate à ce timing là, c'est chaud. Non, mais il sait qu'il y a proxy là. Et là il va chercher. Pourquoi il sait? Mais parce qu'il sait, il y a pas de rax frère. Il y a aucun BO où t'as pas la rax gros. Ça n'existe pas. Ça va, tu m'engolises pas trop, toi, mon petit poteau. Donc là, normalement, il m'envoie un Reaper et j'ai perdu. D'accord. En gros, c'est ça le thème. Ou alors ça trade baise. Mais là s'il réagit correctement j'ai perdu. C'est aussi simple que ça. S'il me laisse faire. Peut-être que j'ai juste gagné. Non non. Mais t'as pas assez pour quoi? Je suis trop pressé fils des fois. Je sais pas si t'as vu là, j'avais envoyé avant même que... Putain, faut que je me dépêche... Ah, c'est scouté. Putain, je le savais. Oui, un tank et tout déjà. Fils quoi. Oh tiens donc. Oula. T'es vivant. Ouais. Oula, que tal? Bah je vais aller où? PAKR is connect quoi, 2h30. Ouais, je viens de me réveiller là. Hein? J'ai pas tardé à me coucher. Alors,
ça va être tellement tendu. Classé 1-1. Oh le mec quoi. Stream si tu veux regarder. Je suis sur le stream, je regarde. Toi t'aimes bien voir Para se faire casser le cul quand même hein. Non j'aime bien quand il gagne aussi. Bon là ça va ce soir. Enfin ça va. Là, t'as fait une game, deux games, t'as gagné. En trois games. Ouais. Mais à tout le monde je peux. Comment je perds on peut basculer à gauche du club obscur de la force. Oh t'es vraiment un petit vicieux para quand même. Oh, comment ça genre tu construis à côté de lui quoi. Ah moi il m'a dit j'ai fait un proxy mais franchement ça m'a plus desservi que ça m'a servi pour l'instant. Ah bah c'est toi qui l'as mal fait, c'est pas ma faute hein. Mais t'as pas compris en fait. Les gars sont pas censés scout au VCS gros. Ils scoutent au VCS parce qu'il y a des mecs qui font des proxys justement. Et sinon ouais, voilà ils sont pas censés scout au VCS tu vois. Donc en fait t'es censé. Ils scoutent au Reaper t'es encore plus dans la merde parce que du coup le Reaper il arrive et. Mais le Reaper et le VCS ils arrivent pas au même timing. On est d'accord avec ça non? Mais t'as rien à la base. Oui mais à ce moment là c'est du trade bait. D'accord. Voilà. Et là c'est une banshee chez moi, une saloperie. Et donc là c'est du trade bait. Typiquement. Oh il a lourd à la maison lui. Char, un IB. Et ça part à la chasse. Il faut que je fasse des vikings pour chasser les véhicules. Et il s'est barré avec des VCS mec hein. Ouais je sais. On a fait exactement la même chose. On a rien laissé là, une petite merde. Ouh, le proxy c'était bien pour toi parce que t'as gardé tes bâtiments de prod. Mais lui aussi. T'as tout pété chez lui non? Mais là je peux pas produire. T'es d'accord avec moi? Non, ah bon? Pourquoi? Je suis à 34 sur 15. Ah t'es super, t'es super. Et lui il a des tanks. D'ailleurs, est-ce que je devrais pas tout changer là-dedans hein? Ça irait plus vite en vrai. J'ai pas vu s'il lui restait un libérateur ou pas. En vrai, là, il peut reprendre. Bien reçu, 5 sur 5. Sans problème, centrale. Je confirme. Je pense qu'il a été miné sur une extend, mec. Bien reçu.
Et tu cherches aussi. Je suis un peu calmé là, j'ai cassé les tanks. Ouah, ça va être chaud. Non. Ah oui, je suis supply toujours. Je suis vraiment un connard. C'est déjà n'importe quoi cette game. Ce cyclone il est cassé. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, le sang. Ah, c'est pas mal ça. S'il a gardé plus de VCS que moi, ça va être chaud. Je me suis un peu énervé sur les supplies. Faut du gaz, fils. Il va refaire des tanks, fils de pute. Voilà, Juju. Ouh, je me suis piné par le mauvais. Adios. Voilà, je repasse devant lui et à un moment je prends une mauvaise fight alors. C'est ouf, tu perds tellement tout quand t'arrêtes un peu. Il lui restait deux tanks à ce cloporte, c'est ça qui m'a mis dedans. Il avait sauvé ses racks. Il a dû être meilleur que moi sur la pose des supplies, je pense. Chose qui rentre en compte dans cette histoire. Tu vois, quand j'ai envoyé mes propres de l'autre côté de la map là, j'aurais dû construire un supply direct. Donc je rase encore sa base. Est-ce qu'on se fait scout deux fois d'affilée à la probe? Tu peux mettre des probes dans le centre de commandement. Ouais. Que des probes ou tu peux mettre d'autres unités? Que des probes. On va faire un centre de commandement pinto char. Mais si char. Dans quel but? Tire même quand la planète elle vole. Les chars. Je sais qu'à Heart of the Swarm ils avaient fait en sorte que les chars tu pouvais les sièges dans le medivac. Ouais, c'est toujours le cas? Donc Ivac, non. Non, tu peux plus. C'est interdit. Mmh. C'est interdit, c'est. Abusé de tous les terrains de faisait ça. Normal hein. Le temps qui va, frère. Il y a tellement d'abus. Le mec il faisait du hit and run avec les tanks en siège, gros. Ouais, c'est ça. Il faisait du hit and run, il posait, reprenait. C'est n'importe quoi. Un peu comme le fait le gros parce avec les. Prismes. Oh mec, franchement, j'en ai marre quoi. Je suis trop bas pour faire des proxys, gros. Trop bas? Bah ouais, trop bas. Normalement quand t'es bas ils se coûtent pas, non? Mais si, justement ils se coûtent tous au VCS. Tu verras quasiment pas un pro scout au VCS, gros. Non, dans les tournois j'y vois scout au VCS la plupart du temps. D'accord, ouais, tu regardes pas bien alors.
tu regardes vraiment pas bien, mon ami. Ah non, je t'assure. Ta gueule. Info sur me. Tu dois être à moitié aveugle. Mais non, mais je te dis, t'es quoi hein. Est-ce qu'elle était encore là la sonde quand j'ai posé. Il était encore là quand j'ai posé l'arax ici, non? Pas frère. T'as dit que j'étais aveugle, alors j'ai pas vu. Il était encore là quand t'as posé l'arax. Après, ouais. Je sais pas où il est parti. Andal, tu veux pas te recaler un peu qu'on puisse faire du heroes un peu le soir? Ça te fait rire. Bah, tu sais, je me suis engueulé, je me suis fait engueuler par madame parce que j'étais décalé donc. Bah, ouais, bah, c'est moi qui vais t'engueuler aussi après. Clavier, il faut que je reprenne des forces. Le problème c'est que madame elle, elle a comment s'appelle lui, des trucs que t'as pas tu vois pour me dissuader. T'en fous, il suffit que d'une seule personne te dissuade et c'est bénéfique pour nous deux. Donc ça se résume, tu es pas en concurrence. Ça se résume à une chatte. C'est ça. J'ai un chat. Non, non, mais... Une. It makes the difference. J'ai une chatte de type masculin. Non, ça marche pas. Il casse bien les couilles d'ailleurs, ce FDP. Quoi? Il est dehors, il doit avoir frais un peu. Il va où? Oh, le type bourré. Il est prêt, il recule pour près, être. Il est prêt de ouf. Ouais, il recule pour être bien en fait dans la fight. Il est prêt de ouf. Mon VC... J'avais un seul VC, c'était. Le VC sur le Mongo. J'ai un scan. Ok, j'ai un scan. Est-ce que je peux faire quelque chose sur un scan? I don't know. Après il va y avoir un tank quoi. C'est sûr. Refaire un Idus et tu passes les cyclones dedans. Oh trop cheaté. Mongolise un peu quand même. Ah, je lui ai pété l'AD, mais. Après, tu lui as pété du supply, donc c'est, pas, c'est plutôt bien. La big est supply avec son hyperator. Son border et son cyclone. Il y a 10 de supply avec. C'est bien chaud de monter en cop en tout cas. Hein? T'es combien là? Je suis 85 je crois, mais c'est. Maintenant je crois que ça me demande 600 000 d'XP je crois. Tu fasses des mutations? Ouais, enfin faut trouver des gens pour faire mutation tu vois. Ouais, c'est pas avec. J'ai un ami qui joue bien. C'est pas avec Jean-Michel Random que tu fais les mutations. Tu m'as déjà dit que t'étais tombé avec des mecs qui jouaient pas trop mal en coop. Tu les ajoutes un ami à la fin de la game et tu te dis vas-y. Ouais, pas okay. Faux, c'est vrai, mais je suis tombé sur des noobs aussi. Voilà. Ouais, mais ceux-là tu les ajoutes pas, tu les occupes pas. Il suffit de trouver un gars avec qui tu joues, tu fais 3-4 games. Aujourd'hui, ce matin, je suis tombé avec un gars, il jouait Nova, mec. C'était sur la map de la nuit là. On a survécu. 5 ou 6 nuits je crois, j'avais jamais été aussi loin dans les nuits mec, c'était. Parce qu'on a, tu m'as jamais.
Tu m'as jamais essayé le pain, je suis sûr qu'avec Arax on va quoi, hein, frère. Oui, non, mais là c'était. En fait, le mec avait bouclé que sa base et protégé qu'un côté, tu vois. Et moi j'étais obligé de protéger les trois mecs et j'avais Artalis. Bah, j'en ai chié. Mec, tu veux qu'on fasse un record de durée? On le fait la prochaine fois. On fait Spookoff, Karax. Mec qui passe. On le fait maintenant si tu veux. En brutal, en ce que tu veux. Spookoff, Karax et rien qui passe. On le fait maintenant si tu veux, t'as dit. Ouais, je suis le droit de la game de para. Mec, il est chaud, quoi. Trop de libé. Je peux en faire contre le libé. Tu peux pas. T'arrêtes avec les cyclones là. Le libé ira beaucoup plus vite. Et t'as plus de range. Donc, dans sa chop. Ouais, pour le cibler, faut que tu ailles au cac et après tu peux t'éloigner, c'est ça? Ouais. Hein. Ça demande une bonne petite micro. Une bonne petite micro des familles. C'est comme le E d'Asmodan, hein. Tu le mets puis tu t'en vas. Tu fais un haut du viking et puis tu les encules. Hein. C'est une idée ça. Mais quand t'as pas de face sur quoi, je peux pas faire de viking. C'est pas faux. Ouais, mais c'était une idée quand même. Ça m'emmenait vers quelque part. Du coup c'était sympa, j'ai aimé. Bah tu fais 2-3 medivac, tu te pousses dans sa base par derrière, tu prends des avec 2-3 vikings, tu dis que c'est libératoire. Tu te places en hauteur en fait, tu sais, quand lui il est en bas. Parce qu'à priori il défend en bas là. Et quand tu vois qu'il back avec ses unités d'en bas, bah tu prends tes autres unités et tu vas par le bas et tu l'encules aussi en T2. Après tu fais ce que tu veux, c'est toi qui joues. Pourquoi sinon il fait une erreur de micro comme ça? Ah, il a fait de la merde là, ouais. Il me donne lag. Fais gaffe les tentes mec. Hein. Si la poule les pro gros. Ah, il a fait de la grosse chaise là. Il a donné ses guibés. Il a donné toutes ses troupes presque. Hop, ça tue ici. Oh, j'aurais pu micro mieux que ça. Je me connecte des. J'ai pris combien de probes là, putain? Ah, on a pris, je dirais 10, 15 par là. Je dirais que ça suffit pas, tu sais. Bah là, en terme, il a eu plus de pertes que toi. Hein. Donc normalement, t'es. Comment dire? T'es au-dessus quoi. Il t'a peut-être reboot ton armée, mais toi, tu lui reboot son armée et des probes. Ouais, il lui restait des marines et un tank, au moins un tank. Ouais, je pense pas qu'il te push là comme ça. Ça serait couillu de sa part de faire ça. Tu vois, il a beaucoup. Le temps qui fait peur. Le temps qui fait peur. Après, comme je dis, tu peux passer par derrière et essayer de niquer sa T, hein. Enfin sa B. Hein. Ouais, bien sûr. Quand ouais. Tu vois qu'il bouge, tu te casses hein, et t'attaques la B2. Hein. Après, c'est pas sûr qu'il bouge son tank par contre. Ok. It's a trap! It's a trap, motherfucker! Qu'est-ce qu'il fait? Ça attaquait pas, frère! What? Ce tank, il est indestructible ou quoi?
t'es fait. Mais non, mais mec. Tu t'es fait reboot là. Mais non, mais mec, c'est un film de cul. Ouais. Et c'est fait refresh là. En gros, pareil, t'étais à des buffs et il s'est fait glitch. On peut arrêter de tout perdre sur la route, por favor. Mec, il sort tout ça d'où, frère? Il doit avoir 3-4 casernes. Non mais d'accord qu'il ait 3-4 casernes, mais pourquoi j'ai mulé ici? Je suis un peu... Bon, vite, c'est Marine, putain. Et voilà, et là je sais pas quoi faire. Hein. Bah tu fais F10. Bah là t'es mort, ouais. Sincèrement, là t'es mort. F10 c'est quoi? Non mais mec, je veux voir là. Là, ça je veux. Tu coin concede F10. Ça je veux le revoir. Il la reprod comme un enculé. Non mais mec, je pose B1, B2 avant lui. Mais c'est Stank là aussi, ce fils de pute quoi. Genre tu sais, je lui tends un guet-apens mec, le tank est pas siégé, rien tu sais. Genre c'est guet-apens mec. Genre le reste c'est que des cyclones tu vois, que des marines, c'est-à-dire les marines contre les cyclones. Même s'il y a les Metivac, il a Steam et tout, il avait peut-être le plus sain d'attaque aussi et tout, c'est fort tu vois, je dis pas le contraire. Mais mec, le tank il met pour mourir que mon armée mongolise alors que je l'ai T-click direct. What the fuck. Robin des Bushs. Mec, c'est quoi cette histoire? Mais tu sais, c'est surprise motherfucker, tu vois? Ouais, c'était surprise motherfucker pour toi. Le maraudeur, il m'a fait trop régal, mal. Il m'a fait trop mal, le maraudeur. Combien de kills ce maraudeur? 0, ok. Bravo, par un gros caster. Ah, il a fait trop mal avec ce maraudeur et tout. Combien qui a... Ah ouais, 0. Il était énervé. Oh, attends, tu peux aller au gaming toi. Toi, tu es prêt toi. Faut caster du rire. Là, je l'enfonce 10 fois en fait. Ah ouais, gros maraudeur. Et tu sais que c'est putain de cyclone aussi qui reste là. Là, j'ai des unités là. Deux marines sans cyclone. Là, mec. Ouais, il avait fait beaucoup de casernes, c'est pour ça. Il a reprod très vite. Juste avant, mec, je l'enfonçais, quoi. Ah ouais. Attends, c'est quoi ce ton de canon, là? J'ai plus de pop que lui, c'est de la pop, quoi, mec. J'ai 13 marines, il en a 6, un maraudeur, 2 libérateurs qui me fucked complètement, j'ai 8 cyclones quand il en a 2. Il est en medivac. Ouais. C'est là, j'ai été trop long, mec. J'aurais dû poser tellement direct le. Pff. Si là, mec, j'arrête pas mon 1-1-1 et que j'ai posé juste un truc dans ma base et que j'ai juste un viking, j'ai gagné la game en fait. Moche. Moche. Tant pis. Donc, et là, il fait TB. En plus, ouais, t'as de la chance parce qu'il a fait nerf hein, sur le premier teamfight. Mais même là, j'ai micro comme un sale. Hein. Là, il me met dur. Hein. Regarde, il est au-dessus de moi en pop à ce moment-là. Ouais, j'ai toujours plus d'armée et il a. J'ai même plus de workers que lui. Regarde là. Frère, je l'ai fait passer. Je suis passé avant d'armée. Ah, il est remonté au-dessus de moi en armée. Mais par contre. Ouais, par contre au niveau des VCS, il a bien baissé. Mais il a sacrifié des VCS. Et il est repassé devant en armée. Et là il est au-dessus de moi, grave. Ok, là il a le. Ouais. Est-ce qu'il a fait un eBay? Il a une eBay, il va avoir le plus 1, ouais, c'est ce que je te dis gros. Et après je passe plus en fait. Voilà, et il avait aussi. Ok, c'est pour ça qu'avec tous ses marines, ok, il avait deux medivacs qui étaient pleins.
Il était prêt, le con. Quarante-quatre d'armée contre 61. J'ai toujours plus de workers que lui, par contre. Et donc là? Ah ok, c'est pour ça. C'est à cause de cette merde là. Genre ils pouvaient pas tirer quand ils étaient ici, il a fallu qu'ils aillent jusque là pour aller focus le tank. Ah ouais, mauvais call. Mais ouais, il était bien au-dessus, il était bien au-dessus de moi au niveau de, sa, au niveau de son armée. Hein. Bien bien au-dessus. En fait avec les deux il a fait un coca build avec les deux supplies ouais. Là. On va faire de la Desert Strike peut-être, on est trois. Ah ouais, ça peut être marrant ça, tiens. Ouais, vas-y, chaud. Fais au moins une petite. Ok, ok, joli. Donc là, je suis revenu à... Ah bah j'ai fait 3. J'ai fait 3-3. Tu fais la Desert Strike là, où on place les unités en vol et tout, au-dessus des terrestres et tout là. HOTS. Ah, hein? J'ai pas trop comment classer les unités là. Oh putain, ça me gratte l'œil. Qui c'est qui est en attente du groupe là? Olé! Décharge. Ça va, vous avez des grosses connexions? Je sais qu'avec ma pote commun. Non, ce HTS là il est lourd. Enfin, ce Desert Strike il est lourd. Ah, mais j'ai déjà fait, je crois. Mais c'est juste que. J'ai pas avec la placer bien les unités. Moi je suis une bite. Je commence à gagner que depuis peu. Enfin, sans que ce soit de la pure chance ou que je me fasse PL par mes alliés, tu vois. Oh, j'ai un peu de. Bon alors écoute-moi bien, oui. Tu vas aller là-bas. Non, non, frère, qu'est-ce que tu fais? Amène-moi ici. Je suis gay. Amène-moi. Ton élator, tour du cul. Non, je vais jouer Terran. Le mec il va jouer Terran. J'espère que la tour va pas nous chier la boue, c'est qu'on va se retrouver en triple Terran contre triple Zerg. Si tu veux, je me mets en Zerg. Non, je pense. Tu veux, gros. Zerg ou Terran, de toute façon. Tu veux, frère. Là t'as toutes les unités, par contre il faut passer T3 pour acheter l'amélioration pour que les sièges ils se mettent en siège, c'est ça? Non. Non? Non non, justement il n'y a pas besoin. Direct en siège? Direct en siège, besoin de rien du tout. Et il y a toutes les unités, il y a le Goliath, il y a tout. Il n'y a pas le Goliath. Pas le Goliath, t'es sûr? Comment ça le Goliath? Il y a le Marauder, c'est tout. Je sais pas, parce qu'il y a plein de Desert Strike et... Là c'est... Mec, c'est exactement les unités du jeu, gros. Non mais, ouais, mais le Goliath c'est une unité du jeu en QA. Non non, du ladder actuel. Ah ok. Pas de Goliath dans le ladder actuel. Oh. C'est, pour ça que, c'est pour ça que ça s'appelle Earth of Swarm et pas LOTV. Et d'accord, non parce que Earth of Swarm c'est quand même une extension derrière gros. Je pour sais. Ça m'étonne que ce soit le ladder actuel, c'est tout. Non, c'est de l'ladder actuel. C'est la version 1.52, gros, next level, shit! Ah. Non, non, y'a tout. 1, 2, fini, entraîne. Ce qu'il faut juste, c'est des joueurs contre nous, tu vois. Et là, une fois qu'on a des joueurs contre nous, on commence à être pas mal. Oh, c'est Steam Surgeon. Ouais, il y a les Sturgeons de Steam, on est bien. Terran, Protoss.
Terran Prota. Oh, ils sont mis dans des petites couleurs mignons. Ah ouais, c'est la team, c'est la team girly. Il faut dire qu'il y a, des, il y a beaucoup de couleurs froides ici. C'est moi qui suis un peu dans le chaud. Il y a un salon. Ah, il y a AFC 2000. Là, tu peux lancer. Ah, et en attente. Attends, j'ai pas joué à ce jeu. Vous partez sur quoi? Je sais pas frère, j'attends toujours un peu. Enfin, généralement je balance des unités, j'attends de voir déjà quel truc je suis, mais généralement je balance toujours des unités au début. Histoire de tanker. Bah c'est 15% d'avoir le milieu. Donc vaut mieux avoir le milieu, vaut mieux avoir le milieu qu'avoir un gaz, tu vois par exemple. Non mais comme je sais que Dalve c'est un mec qui a tendance à économiser au début, moi j'en vois. Après quand il contre le mec, moi j'ai chrono pour passer mon T2. Enfin je fais ça quand je suis Taos. Et quand je suis Zerg. Moi je me suis mis Zerg du coup. Zerg je galère un peu, je t'avoue, j'ai jamais trop réussi à gagner en Zerg. En Terran ça va. Parce qu'en Terran t'as les sièges tank. Terran les sièges tank et... Enfin, je suis Zerg, super. Ouais, c'est quoi les boutons là? Ouais, ça a tout changé frère. Ouais, y a un extracteur, après je pourrais me construire. Mais si tu veux construire. Bah non. Vas-y. C'est bizarre. Hein. Je fais comment? C'est pas tout grisé. Fluide, hein. Qu'est-ce qui est tout grisé? Tu regardes au-dessus de ton carré là? T'as 4 trucs de minerai, y'en a un qui est bloqué pour l'instant. C'est pour mettre les extracteurs, les trucs de minerai là derrière. Ouais d'accord, j'ai mis un extracteur déjà. Et après t'as ton panel, enfin ton carré. Ouais, worker menu, d'accord, il faut ouvrir à gauche. Comment ça ouvrir à... Comment what ça ouvrir à... Mais non, c'est pas worker menu mec, c'est A, c'est unité, c'est le truc avec la croix là. À côté de le truc vert amélioration là, c'est... Si t'as réussi à poser un gaz, de l'autre côté t'as la liste des unités. Coin supérieur gauche, n'est-ce pas? Je sais pas s'il a fait le Zerg en face de moi. Ouh, de la Banshee. Bah j'ai que des armes. Oni il est... Mais au début j'ai pris du... Mon prix de retard. Ouais, c'est pas. C'est no big deal. Hein. Faut que j'économise ça. Ouais, oh, y'a une Banshee qui nous carotte. Une seule Banshee, c'est. S'en bat un peu les couilles. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Muta. Waouh, ok, il a fait du Muta, mec. Full Muta. Fuck you, bitch. J'ai pas d'arc contre. Ça veut dire on a perdu le canon. Ouais c'est vrai ça. J'ai pas d'arc contre. Ah si, malgré toi. Bon ils vont tout faire pour me contrer hein, du coup. Je pose un gaz les tontons. Hein. Il a Archonte, il a une Toast Ball. Avec des Archontes, des Sentry et Stalker. Pourquoi vous n'avez pas d'unité, les gars? J'ai 30 ans pour trouver une unité.
J'ai posé un gaz comme un cul. Pourtant c'est écrit. Fils. C'est où les améliorations pour... C'est à côté, juste à côté des unités, le truc vert comme je te dis. Il me viole avec ses cyclones. Il y en a beaucoup en plus. Cyclone flammeur, il me viole. On a du mal à faire une vague à dette. Ok, il a passé nos deux vagues lui. Oui, il s'est fait gonquer. Ah, ça c'est con parce que du coup je prends le toss. Ah, il a dû DT le bâtard. Bah, c'était deux pour avoir l'obs. J'ai mis trois obs, hein. Faites pas d'obs. Hein. Ah, j'en ai déjà fait, mec. Challenge un peu là, pas trop, un petit peu. Toi, tes hydras ils sont énervés. C'est pas gênant parce que les mutas ça se fait one par les... Par contre ils sont où mes dominants? J'ai sorti quelques corrupteurs moi en plus. Je me suis fait stomp par quoi là? Ok... Ouais, il me défonce avec ses mutas en fait. Je me tape le toss et je me fais démolir par ces putains de mutas. Quelques corrupteurs, mais ils se font démolir par les vikings. En fait, une fois qu'ils ont clean, ce qu'ils ont à clean, un peu plus. Moi, je me fais juste one. Mais je pensais que les adeptes ils tapaient rien aussi. En fait, non. Non, les adeptes, non. Ah, il a deux illusions avec, mais il fait beaucoup d'archontes. Ouais, bah j'en ai fait en fait, et du coup ils ont fait l'enculé. Ça me pète les couilles. Hein. Parce que j'en ai fait contre les mutas moi, mais... Ils défoncent tous mes archontes en fait avant que les mutas ils arrivent. Je prends plus d'hydras pour aider. Mais... Moi c'est cette vague là, faut absolument pas que je me tape cette vague, elle me fait trop mal. Cette vague là c'est la carbonisation. On est pas vraiment bien là.
Bon, je continue avec des jeux, du coup. Ouais, y a du tank maintenant, ok quoi. Je vais revenir à bout des tanks là, t'sais. Ouais, il reboot les tanks, comment il fait? Non, ils ont disparu, ils avaient plus de temps. C'est pas mal, les corrupteurs, ils ont fait mongoliser les cyclones. Enfin, mongoliser, faisons parler, mais... Il est casse-couille quoi, il tank comme une putain. 4 tanks mec, je me fais démolir. Avec les tanks derrière, c'est chiant. Grave chiant. Les tanks ils nous font trop mal derrière. Hein. C'est les tanks qui sont en train de faire la game là. Clairement. Il faut plus de Swarm. On va mettre plus de Swarm alors. On veut juste aller, on pète les tanks. Non, on pète un peu les tanks, ouais, ça va. Ouais. Mongolisme, mais ça compte un peu quand même. Massif, fag, énervé. Je dirais que c'est vénère. Ah par contre c'est temps qu'ils vont morfler mec. Avec les imos derrière. Bien vu ça. Ah, par contre c'est moi qui l'ai morflé. Ah il a fait du colosse le mec en face. Ouais, ça rentabilise tes corrupteurs. Ouais. C'est pas mal. Du coup, on commence à se slacker là avec nos hydras derrière. Ouais, c'est pour ça que je fais des corrupteurs. Je vais, faire une masse de corrupteurs, je vais passer le T3 et faire le bout de l'ordre. Je prends l'aérien d'avance en fait. Vas-y, ok, moi je fais que du sol. J'essaie de constituer une armée sous ton aérien en fait. Après, si on arrive à bien être en écho. Ah, y a du vermine par contre. Bah, c'est pour ça. Donc j'ai du corrupteur, je vais en poser du vermine là, je suis en train de passer, j'ai payé mon T3. Ah, par contre il est en train de m'ouvrir la gueule.
la vague. Ah oui, ok, en haut à droite, c'est ça. Ouais, ouais, y'a le temps, en haut à droite. Ah, moi j'ai fait beaucoup d'immo, mec. Hein. Ah, d'ailleurs, par contre, ouais, il défonce. Et tu peux déplacer tes unités avec T hein, si ta concave est plein. Ah ouais? Ouais, c'est gratuitement. Tu sélectionnes une unité, tu fais T, tu la mets où tu veux, etc. etc. Tu peux faire ça en permanence? Ouais. Il y a un nombre maximum de fois, je crois, mais. Qui est assez élevé. Si vous voyez que vous faites trop de stomp par rapport à ce que les autres ils ont. Ou... Ah, les fils de pute, quand même. Des tanks derrière qui font le café encore. C'est Zerg en fait qui me. Avec ses vermines et ses merdes là, je me tape le Zerg Lotos, je prends trop cher, mec. Qu'est-ce que je vais faire, mec? Je viens péter les tanks, mais. Ouais. Les tanks à chaque fois iraient jusqu'au bout, c'est tellement mauvais. Après si on commence à avoir du Broodlord nous aussi ça pourrait calmer les tanks, mais ils ont beaucoup de... Ouais ils ont du Ghost. Et ils ont beaucoup de trucs là de... Je sais comment ça s'appelle. Là ça s'annonce mal, hein. Très mal même. Du genre super mal. Le Mavac qui va arriver là, ça va être massif. Ça tient pas. GG's. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait alors? On a fait de la merde. Ah, moi j'ai sûrement fait de la merde. Bon, on était les trois plus mauvais quoi. Des barres. Oh, l'autre il a tué 1035 unités le. Après. Bah après mec, vous êtes des ergs, hein. C'est normal. Moi j'étais des ergs, je sais, ouais, qu'il avait... c'est normal qu'il ait tué plus d'unités. Mais du coup, les scores sur ces trucs là, ça. Ça veut rien dire en fait. Ça veut pas dire grand chose, ouais, c'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi. Parce que tu peux avoir. Le mec il peut avoir une armée beaucoup plus puissante que la tienne, mais tu peux le stomp en fait avec les unités. Par contre, ouais, en fait c'est un bon plan parce que. Enfin, ouais, ça va bien marcher, mais. En fait, les corrupteurs après je peux les upgrade en seigneur vermine pour moins cher. Et que c'est comme si j'avais des unités, mais que j'avais déjà écho pour des broodlords, tu vois ce que je veux dire? Pas. Parce que le broodlord il coûte 450 à sortir. Mmh. Et il coûte 215 si je l'upgrade à partir d'un corrupteur. Ouais. Donc c'est, déjà c'est moins cher que le prix du corrupteur plus le prix de l'évolution est moins cher que... Ça marche le rush marine ça dessus ou pas? Ouais tu peux faire des grosses bioballs vénères. Ouais. Bioballs medivac et tout frère. Avec des tongs derrière, non c'est sale. Toujours le timing des gaz que j'ai toujours eu du mal à poser, à savoir quand poser les gaz. Ça sert à rien d'avoir 4 gaz. Normalement tu dois t'en sortir avec 2 gaz. Des fois si la game dure vraiment longtemps tu prends le 3ème. Normalement tu n'as pas besoin d'avoir plus de 4. Si j'ai bien compris. Rien avec 3 puis 5 à la fin. 5 ? Sur le premier, sur le Desert Strike avec 3 au début puis après 2 autres dispo que tu prenais généralement pas. Mmh. Tu prenais c'était vraiment en avance. Ils ont un proto, c'est un terrain. Et un aléatoire.
fait ça, ça m'énerve. Vas-y, bêta là. Oh, les mecs, ils pédalent quoi. Arrête de pédaler, mon con. Ah non, il pédale. Choucroute, choucroute. Moi non, bêta. Encore Zerg, ta mère. Je suis Terran. Tu fais quoi, Dal? Je suis Terran. Tu fais bio? Ouais, je vais partir bio. Ok, je passe T2 alors. J'ai rien au début, mais après je vais faire du volant. Mais d'accord, quoi, dès le début, faut poser un gaz. Non. C'est un cheese de poser un gaz dès le début. Ah merde. Dis ça, mais il l'a fait aussi, ce couillon. Non, mais moi je l'ai fait, c'est mon cheese. Moi, c'est un cheese que je fais là. Mon BO, c'est un cheese. J'arrive et je pose T2 et gaz. C'est un gros cheese, gros. Un gros cheesecake. D'accord, quand en zerg, je suis passé T2 assez vite aussi, parce qu'avec des cafards et des argumes, tu vas pas loin quoi. Faire des queens, ça struggle un peu. Mais... Il y a mes unités qui s'empalent sur le canon. Pour l'instant, ils ont pas l'air de faire grand chose. Hein. Bah non, regarde ce qu'on fait, c'est normal. Ouais, mais si je me laisse un peu de temps, je vais faire mon affaire. Hein. C'est ce qu'ils sont en train de faire aussi. Parce que là, on, finalement, ouais, j'ai gagné ma vague, ouais. Ah, mais c'est cool parce que pendant tout ce temps-là, on a 15% d'une com de plus. Comme l'ancien. Hein. T2 dans la foulée. T'as mis ton T2 toi? Je vais le passer maintenant. Ah, ouais, t'étais excité. Non, je vais le lancer, je veux dire. Un peu d'unité, frère. Mini pack de Zergling, une vague de Roach. Moi, je sais pas sur quoi je pars. Et on va... Ok, il a du mal, ok, 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 ok. Il m'a flambé. C'est pas bon pour moi ça. Foncez ma vague, vous et moi. Ça coûte vraiment cher de faire ça par contre. Tu l'as fumé. Ouais, mais lui il va me fumer. Ouais, mon rôdeur là, ouais, par contre, tu vas me faire mal. Je vais faire du banning, je crois. S'ils sont deux à partir sur bio, ouais, c'est pas mal. Moi je vais être useless, frère. Ah ouais, carrément. Ah bah putain, des voids, mec. Ah bah, t'es foutu, gros. Il faut que tu tombes sur un mec qui fasse du void quoi. T'es mort de chez moi. Il a fait quoi lui? Bah du void. Bah il a fait un BC mec. Un BC contre du void. Bah pour l'instant ça fait pas le poids. Peut-être plus tard mais ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud as fuck. Est-ce que mes banning ont fait quelque chose? Je peux regarder. Delvi on dirait qu'il va faire que des marines. Ah y'a pas de zerg en face, j'avoue t'es pas puni. J'avoue, il est pas puni le petit Dal. Bah oui, hein. Je suis un malin, moi, tu sais. Est-ce que ça sert d'augmenter l'attaque des champs ou quelque chose du style? Attaque des. Attaque des mégas, je sais plus. L'attaque des mines. Des mégas. Attaque des mêlées pour les champs, non, je pense moyen, mais. Je crois la science en fusil. Bah, les champs qui font plus de dégâts, hein, avec l'attaque mêlée. Ouais, je sais que sur les mines ça marche pas, mais. Ah, sur les champs que ça marche. Mais en fait, les Void Raid ils font. Ah, ils découpent, ouais. Ouais, mais pour l'instant, ils découpent, mais. Après, je vais le contrer, hein. Ouais, mais le problème, c'est que là, tu vois, on commence à prendre des vagues dans les dents, quoi. Et ça va être chaud, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais regarde là, avec toi, avec la tourelle et tout. Oui, mais moi, oui, mais maintenant, moi, je vais faire la vague jaune, mais puis la mienne, je la fais pas. Hein. On prend une vague de retard, là. C'est moyen. Que je vais pas pouvoir faire l'autre, hein. Celle-là il va me défoncer maintenant. Un peu plus de pain, alors que je lui ruinais quoi.
Il faut le speed du Bane. Et le speed du Bane, non? Ouais, non, mais je te dis. Non, je vais pas payer. Aïe, ils sont des ressources en plus. Ça va être encore plus dur maintenant. Le mec fait que des voids. Holy fuck. Bah, il a raison, hein. Il a vu ce que t'as fait, il défonce maintenant, hein. Il le sait. Hein. Pour une fois que ça va marcher, son putain de rush void ray, hein. Il va en profiter. Putain, du coup, je me fais casser le cul, quoi. Tu fais tes vagues à chaque fois, mais en décalé, du coup, comme tu dis, avec une vague de retard. Et moi, du coup, lui t'ouvre, bah, évidemment. Lui m'ouvre. Baisser tanker un peu, mais c'est pas. C'est assez, quoi. Attends, il va se taper les vaudrets. Oh, c'est bien, la tourelle tape dessus, c'est cool. Ouais, enfin, pas assez, cette pute là. Pourquoi il a fait demi-tour lui? Ça serait bien que ça se rééquilibre, que ça arrive à ma vague là, sur les voids. Je vais montrer un peu comment ça marche. Oh, lui aussi il a du tank. Dur. Lui va me découper. Ah non. Lui est mid. Il va te la mettre. Ah lui oui. T'as fait chier les vaudrais, ils font demi-tour quoi, c'est n'importe quoi ça. Conçu pour le combat. J'aimerais bien qu'il y ait une de vos vagues qui s'accumule là et qu'on puisse. C'est parti, mon on pêche au canon, on pourra pas s'accumuler. Offensif, paré au pillage. Mais c'était un peu pour l'aérien. Ah, ça y est, je commence à stomp au moins ma vague. Et après, il y a le Protoss qui arrive avec ses full void ray. Et là, c'est le zizi. Il brûle, hein. Franchement. Hein. Le problème, c'est qu'il y a jamais. Ah, faut toujours... Ouais, en fait, il faut que tu fasses un peu plus d'anti-aérien. Qui continue en fait sur la base en fait. Parce que là, il fait demi-tour et il fait mal quand il fait demi-tour. Quoi. Parce que moi, je me le tape toujours en fait en duo. Quoi. Mais moi, je vais faire plus de corrupteurs. Je me tape en duo avec l'autre et. Ils vont finir par passer en fait. Je les recte bien. Ils vont finir par passer au bout d'un moment. Tu fais du bon boulot là. T'as presque fait les 3 vagues là. Mais j'en ai marre de me taper cette putain de vague. C'est pas ça qu'il faut que je me tape. Forcément c'est dur. Ah mais bon, ça c'est des strike mec. On prend du retard, on prend du retard. Hein. Il y a des tempêtes maintenant. Non, sérieux déjà? Non. Ouais, ils font demi-tour en fait. Ouais, les fils de pute quoi. Ok, je me sens mal là. Toi, tu les roules.
Bah ouais, mais je me fais rouler après, gros. Mec, à un moment, des unités à crème. Après avoir pété 3 vagues. Je fais une ligne entrée de corrupteur. Je vais faire des cidras, c'est plus maintenant. J'ai presque tenu jusqu'à la bonne vague. Non. Conçu pour le combat. Ah, mes corrupteurs ils se font poncer, mais avec les corrupteurs hydrauliques ça dégraisse un peu là. Enfin, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est cool. Donc je vais faire, je vais faire un peu plus d'hydra, et après je repose les corrupteurs. Rien ne vaut un bon raid. J'ai vraiment dégraissé pas mal de void ray sur cette vague. Mais Benling il tape dans tous les cas de toute façon. Parce que Voidray sont occupés à taper ceux qui les tapent. Là je vais aider Para parce que je vais faire un peu plus mal au gars. Moi en fait si vous arrivez à me stacker au-dessus de vous, la game elle est finie. Ouais, je lui fais un peu plus mal que tout à l'heure mais c'est tout. Hein. J'ai deux rangées d'hydras. Je vais refaire des corus maintenant. Alors t'es voidrait? Alors? Bah tu les as dans le cul là hein. Merde tu fais un observateur, c'est pas grave. Oh, c'est pas en trop. Moi je te le cale. Voilà là on commence à faire des dégâts là. Un petit peu. Mignon. Mon petit chat t'es lourd. Ouh putain j'arrive quand les tanks sont déjà placés. Ouah non. Ah c'est la mort là. Et qui fait tanker des tanks de l'autre quoi. Là je me suis pété en deux là. J'aime bien me poser comme ça. Voilà le proto je commence à lui faire mal. Hein. Je commence à être sale pour lui. Le problème c'est qu'il y a les tanks de l'autre qui restent comme tu dis, ça casse les couilles. Non j'ai clean les tanks là. Ouais mais il reste. J'ai clean les tanks, j'ai clean les void ray et je vais clean les tempest je pense avec mes hydras là. C'est de l'hydras 2 de. Ah mais c'est les tanks du jaune qui restent quand l'autre il arrive en fait. Ouais c'est ça, ouais c'est ça. Ah, ouais, mais bon, ouais. Là tout à l'heure je suis arrivé, ils étaient déjà en position, donc déjà ils m'ont tiré dessus. Et l'autre il est arrivé, il les a tankés en plus tu vois. Donc c'était chaud. Ah, tu vois, il les tank encore là. Je peux même pas la finir la vague quoi. Là tu te prends tout à main avec les carrières et tout. Ouais je me fais penser frère. Vitrifier toute la zone. Ça coûte tellement cher enfin. Perdu là. Encore. Oh, il en a fait la chie des tanks, enculé. Allez, j'arrive avec ta vague, allez. Non. Il a son Skytos de fils là.
joli ta conca. Oh, tu l'as roulé. Ouais, il a beaucoup de tank, mec. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de tank. Il va me défoncer ma bioball maintenant. Du Broodlord, les gars. Contre les tanks, c'est fort. Et 3 pour l'instant. Là, là contre toutes les voids, ça va être chelou. Oh, ils vont se... il va se faire défoncer, je pense. Bah, ils sont morts là, les morts de l'or. Ah, j'ai des corrupteurs devant, mais bon, après, si je suis sur l'aérien, forcément que je me fais défoncer. Mais j'ai fait que ça, ou l'aérien, ouais. Le truc, il se pose, tu peux pas. Ouais, tu peux dire, ils sont obligés de se poser. Système de transformation opérationnelle. J'avoue, je vais enlever le mode. Je sais pas ce que ça donne. Mais là, du coup, je vais juste rien faire contre toute la vague, tu vois. C'est ça le problème. Je passe à la vague d'après, tu vois. Bah, ça va, c'est les voids. Tu vas ranger un peu un mât comme ça. Ah ouais, je leur mets du sale. Mes corrupteurs sont beaucoup plus rapides, donc du coup ils avancent. Mais les Broodlords, ils ont le temps de taper un peu. Ouais, les Hydras qui vont arriver. Ouais, il faut que c'est Brood. Hein. Explique-moi la logique du truc, quoi. Non, ça tanque quand même pas. Ça tanque quand même pas. Ouais, du coup mes carrés sont... Système de transport pour la guerre. Je peux pas construire ici. On y croit. Je peux pas construire ici. Je peux pas construire ici. Ça commence à être dur là. Ah, ça y est, enfin il envoie des missiles, ce petit enculé. On est foutu là. J'arrive pas avec ça. Le Skytos là, il est trop. C'est trop puissant. Moi. J'ai beau rajouter, j'ai l'impression de pisser dans un violon. Là, pourtant, je peux dire que j'en ai tué là des types. Hein. J'ai dû bien faire mal, mais. C'est l'aérien qui. Ils ont fait beaucoup de tanks et l'aérien là, ils me défoncent. Ils me défoncent tous mes tanks. Non, mais ils arrivent juste à cumuler leurs vagues, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui restent en vie de l'une vague et de l'une vague et. Le Mothership Core! Oh, je l'ai presque! Ah non. C'est de la merde cette strat.
J'ai eu ça quelque part, je voulais essayer, mais franchement, c'est de la merde. Struggle. Je suis censé avoir plus de... Plus d'impact, ben on se fait baiser, frère. Merci, parrain. Merci. Le mec, il arrache une unité de T3, frère, parce que pété par une unité de T2. 436 unités tuées. C'est pas grave, merci. Ah, j'ai tué pas mal d'unités, hein. Après, je sais pas si j'étais bon, moi, perso, mais... Ah, t'es en dessous de moi, gros. Des barres. Dalve est bien dessus, mais nous deux, on est nuls. C'est un film de boule, ce jeu. Un jour, je comprendrai peut-être ce jeu. Peut-être un jour. Parce que Dalve, il a fait le truc le plus simple et au final, bon bah. Il fait une bonne bio ball, il est efficace du début à la fin. Je sais pas quoi faire. Ça dépend ce qu'il y a en face, mec, hein. Toujours la même chose. Ils ont tardé à sortir les tanks aussi, ces blaireaux. Ils auraient sorti 10 tanks plus rapidement que ça, j'aurais été mal. Je savais pas si je devais faire plus de corrupteurs, plus d'hydra, plus de bane ou autre chose totalement. Moi, je pense que t'aurais dû faire full corrupteur pour niquer la tête autos. J'ai fait pas mal de corrupteurs au final, j'en avais pas mal. Hein. J'ai essayé. Hein. Ouais, mais s'il avait pas quelque chose au sol au moment où. J'avais un tapait... peu. J'avais... Bah ouais, mais c'est pour ça, c'était bien parce que tu te non, tapais... parce qu'en fait, le souci c'est qu'il avait pas assez de corrupteurs. Il lui aurait fait beaucoup plus. Comme ça, ses Broodlords ils auraient pu être en vie en fait. Ouais, et Broodlord en vie il dit des trucs tapés au sol, tu vois. C'est vrai. Bon, je suis DOS. Je suis terrain encore. Par contre, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait de l'autre côté. Il y a quoi de l'autre côté? Il y a. On peut pas voir ce qu'il y a de l'autre côté? Sérieux? Non. C'est de la merde ce jeu. C'est les mecs qui sont en aléatoire, gros. Leur demander hein, quelle race. C'est déjà un taux, c'est un peu cher. Ah non, c'est celui de Ramas, ouais. C'est un Zerg. Okay. Je me suis tapé la vague d'avant aussi. Donc... Il y avait un Stalker. J'attends de voir ce que c'est le mien, quoi. Il m'a scouté, il comprenait pas pourquoi il avait. Le mien, c'est. Communiste, il s'appelle ? Non. J'arrive pile poil, le canon il va pouvoir se recharger. Putain, ils ont pas marre de leur void, ces fils de pute. Déjà ? Ouais, mais là t'es terrain, mec, hein. Tu fais du Marines, ça passe crème. Hein. Ah ouais, je sais, je vais en faire. Mais... Ah, t'es terrain la game d'avant, mais tu peux passer crème. Ah ouais, parce que j'étais parti sur un build bien, tu vois. Parce qu'il a fait le guignol. Non, j'ai lu, tu vois, qu'il y avait ce build, que c'était un cheese et tout, j'ai essayé ça. Ah là par contre je suis mal, parce qu'il y a beaucoup de... Ah bah on perd notre bunker là. Peut-être pas. Ou pas, ouais. Bah si on va le perdre, parce que là je vais pas pouvoir faire ma vague. J'arrive dans 2 secondes. Bon, on le perd. C'est moche de le perdre comme ça dès le début, quoi. Vraiment, c'est moche. Donc, ils ont du minerai en plus, du coup, on va se faire éclater, quoi.
je suis un homme mort. Pas si mauvais. Il y en a qui va se faire one. Il tire sur l'autre, bien sûr. Ça va les hallucinations aussi. C'est quoi ça sert? T'es passé tir 3 là? Non, je tire 2. Ah. Ouah, il va me défoncer avec ses chancres quoi. Faudrait que tu fasses de l'archonte toi. C'est comment l'archonte? Tu fais du high templar et tu évolues en archonte. Ah ouais, d'accord. J'ai place derrière. Parce qu'en fait, le problème des stalkers contre le dislocker, c'est de la merde. Parce que le stalker c'est blindé et le dislocker il fait beaucoup de dégâts contre le blindé. J'avais pas fait beaucoup de stalkers, j'en avais fait 3, c'était des débuts. J'étais plus parti sur l'immortel. Faut que je prenne l'aérien quoi. Ouais, il te défonce le proto. Non mec, je me tape les ergs et l'autre avant. Hein. Moi lui je le fume et le temps de tuer les hallucinations, voilà quoi. Et le bouclier de la sentry quoi, tellement fort contre la bio, les unités sont destructibles, putain de ça mais... C'est débile. Ah mais c'est bien, vous avez deux vagues. Ah mais par contre vous allez vous faire ouvrir. Dommage. Je vais péter mon dernier mot encore. Ah, mais il fait que ça quoi. Pourquoi il a digué? Parce qu'on est nul. Voilà pourquoi il dit ça. On se fait, c'était quenelle comme des cons quoi. Mais explique-toi par quoi, qu'est-ce qu'il fait? Le problème c'est qu'il a des boucliers protos gros. Enfin des... Sentry elles font trop le café. Contre moi par exemple. Tu fais que des voids, ça fait deux fois qu'on se fait péter comme ça. Là, d'un coup d'un seul, je vais leur mettre deux upgrades dans le cul. Dommage que j'ai pas réussi à défendre ton tank. Ça aurait été sexy. Je suis concave d'enculé, mais je tire que sur des hallucinations ou sur des unités qui sont archi boostées. Fais un corbeau. Par le bouclier. Je sais pas si avec le corbeau. Normalement, dans le Disaster Strike, quand tu fais un corbeau, il tire sur les autres cibles au lieu des hallucinations. Faut que tu fasses un corbeau et que t'essayes. Peut-être que ça passera. Oh, c'est honteux quoi. Nous pète pas, là, t'aurais dû mettre tes archontes devant tes trackers mec. Devant le canon, j'ai l'impression d'être dans une souffrance, quoi. T'as l'autre qui fait sa merde et ça passe, quoi. C'est pas saisi. Ça fait deux fois, mais.
Regarde, on monte pas à des demi-vagues, tu vois ce que je veux dire. Qu'ils arrivent pour protéger des tanks là. Ah, j'arrive un tout petit peu trop tard. Ça va, je tank un peu pour toi, t'as de la chance. Est-ce que ça sert que je fasse des void ray maintenant? C'est trop tard, non? Trop tard. Je suis sur de l'arc. Là t'en as assez. Maintenant, tu peux faire du stalker derrière. Parce qu'en fait, maintenant tes archontes vont prendre l'aggro. Ils vont tanker pour tes stalkers et tes stalkers ils vont pouvoir tirer tranquille sur les void ray. Oublie pas l'évolution TP, hein, ça sert. Hein. Ouais. Évolution TP, c'est de quoi? Transfer, Blink Stalker. Ouais. Ah oui, Blink Stalker, oui. Ouais, c'est fort là-dedans parce que ça les. Ça les micro-gère de ouf. TP, ceux qui sont le plus bas en vie et tout. Oh, c'est Void Ray quoi. C'est. Ça voudrait c'est le cancer. Et le pire c'est que ça passe quoi. Tu fais ça en sur le désastrek mais jamais tu passes mec hein, le truc voudrait. Hein. Tu te fais enculer direct quoi. Et là, bah, ça passe. C'est... Soit on est vraiment des putains de noobs. Mec je te dis moi j'ai beau jouer à ce truc, je comprends toujours pas gros. Regarde mec, je me suis battu deux fois contre des voudrait. Ça veut dire qu'il a passé les trois vagues, nos trois vagues avec ses voids. Oui, bah c'est ça ouais. LOL. Comme qui dirait LOL. En même temps, c'est Bannings qui est en même temps. Ça. Je continue d'essayer de solidifier l'histoire. Mais... Là, c'est Vaudrey, ils vont me défoncer mes chars. Et voilà. Super, super gameplay. Pute quoi. C'est tout bénef pour lui, hein. C'est un délire. J'ai l'impression que mes trucs ils tirent pas, frère. Y'a tellement d'unités à bas PV là, pourquoi il les finit pas quoi? Et voilà, avec des carrières sur le côté. Bien sûr, ma gueule. Avec plaisir. Protoss et ensuite il va y avoir le deuxième Protoss. Regarde bien. Puis là je le finis et encore du Protoss. On est bien. Même ça va, Ama maintenant lui fait mal. Là, les archontes ils tankent bien. Mais juste une petite sentry qui met le shield. Quand le zerg il m'implose derrière. Je clean tout l'aérien. Pourquoi je continue sur du stalker ou je peux pas sentry 3? Ah, c'est putain de chante. Faut que j'arrive là pour te soutenir.
quand je tire sur les bonnes unités, c'est pas vraiment pareil. Oh, ouais, je commence à bien te les crémer là, le Protoss. Ça va commencer à être mignon cette histoire. Oh là, tu fais full chancre quoi. C'est infâme. En gros, j'ai fait que de la bio. Ça va. Le Zerg, on le défonce bien. Lui, par contre, il nous fait mal. Ah, ça va, je tank un peu pour toi. C'est cool. En tout cas, la disrupteur, c'est utile dans ce mode de jeu. Défoncez moi ces péons. Oh t'inquiète, je vais les booster eux. Tu les rousses quoi. Ce qu'il faut c'est que t'arrives à absorber le plus de chancres possible pour Dalf, comme ça après Dalf j'y passe. J'absorbe tous les chancres avec les blinks. Là on a, voilà là vous cumulez, j'arrive dans 8 secondes, si on arrive à se cumuler encore. Pour être Enervax, pour protéger les torts et les tanks du colosse. Du colosse quoi, façon infinie. Ouais, il est en train de me thermolance le trou de balle gros, c'est merde. Il m'a thermolance le trou-trou, c'était désagréable. Bah, je me fais rouler même avec mes stalkers. Quoi. J'arrive dans 4, faut absolument tenir cette histoire. On perd. Ça tient pas. On perd. Holy shit! Non, ça veut pas. Ça veut pas. Mec, c'est un délire. Hein. Pas du mat. Je vais m'arrêter, moi, mes copains. C'était bien sympa. Bon, bah, Dalve, je pense que tu seras pas là demain faire du Heroes. Hein. Je dormirai comme une loutre. À la prochaine. Et tu pètes les couilles un peu quand même. Ah, faut que je me recale, mec. Tu imagines même pas les crises que je prends. Hein. Va te coucher. Hein? Va te coucher. À tout de suite. Bah, je peux pas là, je suis pas fatigué, mec. Je me suis réveillé. Il vient de se réveiller, gros. Je me suis endormi il y a. Et toi, Barbara, tu devais pas aller te coucher? T'avais pas des trucs à faire demain? Si, j'ai des trucs à faire, moi. Va pas te coucher, là. Bon, ça, je veux pas me coucher. À tout de suite maintenant, 4h du matin. J'avoue, les 4h, putain. Vu la taille de ce que je viens de rouler, mec. Vas-y, mais ça donne envie d'en rouler un, ça aussi. Mais mec, je te le dis tout de suite. J'entends cette fête qui crie. Non, mais... Est-ce que je m'en roule un au 6 et je fais durer jusqu'à 5h du matin? Ouais. Moi, par contre, je vais faire un peu de la vraie game, je pense. Des heures strike là, ça va quoi. Moi ouais, je veux bien vous regarder. Hein. Tu voulais pas faire une coop toi, espèce de béro? Ouais, mais je dois rouler, frère. Je peux pas coop et fumer, c'est possible. Pas que. Laisse-moi rouler et on va lancer ça, frère. Laisse-moi rouler. Tu joues Stukov? Je sais pas, moi. Karax. Je préfère jouer Karax en défense. Donc le plan c'est. Je mets ma ligne de défense et toi tu mets tes sièges derrière. Après tu peux parer ton côté avec full bunker si tu peux. Je veux poser tes bunkers devant et mes canons derrière. C'est quoi comme truc ce Ghost Special? Pourquoi pas jouer avec Swan mec hein?
plan c'était pas faire la défense qui dure le plus longtemps possible. Bah je pense que les Goliaths ça défend plutôt bien tu vois. Ouais. C'est ouais. Ça a tellement une portée insane mec que... Ouais mais sur l'aérien. Non sur le terrestre aussi c'est une portée de fou hein. Ouais mais tu as vu la place que ça prend et tout. Enfin je sais pas. Ouais tu peux prendre. Sur mon avis ça le fera. Y'a pas le moment où tu as Karax qui est placé frère. Y'a plus rien qui passe je crois. Y'a que les stanks qui peuvent détruire. Donc tu règles le stank. C'est juste que à mon avis faut que tu aies une armée mobile pour régler le stank. C'est quoi, c'est la mutation que vous tendez là? Non non, parce qu'il disait tout à l'heure, ouais avec un mec on a fait durer la game le plus longtemps, enfin a battu le record. Puis avec Nova tu vois, j'ai... Et le gars il prend... Ça s'appelle... Les veines... Il me retait pas la balle. Ah ouais... Je n'entends rien frère. Ah ouais, t'es plutôt comme ça. What the fuck? Allo? Il parle en morse le type quoi. Même du morse, je comprends mieux que ça quoi. Du morse l'animal ou? Ouais, tous les animaux. Je suis même pas sûr que les animaux comprennent son langage. C'est un dialecte vraiment très peu commun. Vous avez des têtes de bite. Ouais, et là par contre, c'est ça passe nickel. C'est toi comme ah, ça. Mais... Tu sais quoi, Dag, en plus, très bien, on va faire ça, parce que comme ça, je vais essayer de faire mon ouf avec Karax. Ouais, donc, je disais, le mec, il avait Nova, il a bouclé sa base, mais que sa base, tu vois, et il a bouclé, enfin, il faisait qu'une entrée. Et pendant que je suis en train de péter les bâtiments alliés, enfin, les bâtiments ennemis, tu vois, genre, il faisait évacuation tactique, pour me faire re-TP dans la base. Tu vois, c'était le genre de connard, là, quoi. Ah. Le mec, il m'a fait chier toute la game. Il a pas tué un bâtiment. Il restait que chez lui et dit que je sortais, il faisait évacuation tactique qui me retépait dans la base. Il avait décidé de me pourrir la game quoi, cet enculé. Alors il a pris un report, je peux te dire que. Tu sens Dalf qui l'a assaisonné gros. Ah non mais quel fils de pute quoi, sérieux mec. J'ai jamais vu un mec comme ça quoi. J'ai vu des nooks tu vois, mais des mecs qui te niquent les games comme ça, c'est rare tu vois. J'ai passé trop une sale game avec ça. Dès que tu sors de la base, il t'y remet quoi. Non mais t'imagines même pas à quel point c'est chiant mec. T'as en brutal, t'as 2 minutes pour tuer des bâtiments. Tu sors de la base, il te faut genre 30 secondes pour arriver là où t'es. Je claque mon bouclier, c'est pour tout le monde parce que je suis Artanis, et là paf, je me TP dans la base gros. Le mec il m'a niqué mon sort, et il m'a niqué 1 minute 30 de game presque tu vois. Donc je reviens là où j'étais, il me reste 30 secondes pour péter 2-3 bâtiments quoi. Un putain de fils de pute quoi, il me l'a fait 4 fois ce coup là. Il fallait le feinter mec. Ça marche comment son sort tu sais? Oui je sais comment ça marche. C'est toutes tes troupes, peu importe où elles sont sur la map, ou c'est lui qui sélectionne un carré ou... C'est lui qui sélectionne une zone et il resélectionne une zone pour te re-TP. Ok. Mais normalement t'es censé bien l'utiliser tu vois, pas niquer ton pote quoi, sérieux. Avec son petit smiley là genre le sourire, mais va te faire enculer quoi. Je vais buter Nova, je vais buter sa base. Je vais buter Nova, je vais buter sa base. Ah non mais mec, c'est quoi ce bonhomme quoi? Bah c'est bon, je suis prêt. Fallait split gros. Si tu... Ah bah non merde, t'es toujours dans le groupe. Si tu splitais, il pouvait plus te niquer, non? Splitter. Ah ouf. Ouais non mais mec, t'es obligé d'avoir une masse. Ouais, t'as pas de masse, tu passes pas, mec. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il faut une certaine masse, sinon tu perds tout à chaque fois. Je sais pas, la dernière fois, mec, brutal, j'ai tué le dragon, mec, on a tout poncé. Ça va être dur de tomber. Pourquoi tu prends Stukov? Je croyais que tu prenais. Ouais, mais t'as mis en aléatoire, j'ai pas choisi encore. C'est pas faux. Ça va me faire moins d'XP, ça. C'est le gros combo énervé là? Non, il a pris Swan. La Swan Karak, c'est un beau combo. Hein. Ouais, mais c'est un beau combo, mais ça, moi j'ai dit que Stukov en défense. Il n'y a pas besoin, mec. Quoi qu'en défense, Swan après, il y a les tourag et tout. Hein. Moi je suis rincé, je crois que je vais y aller. Attends, t'es sérieux? Le mec il me dit que je roule un gros pilon et puis il s'en va. Mais mec, j'ai plus rien à faire. Tu m'as dit que j'allais jouer à StarCraft? Bah ouais mais faut être chaud en C1, en C1 mec. Je vais pas faire du C1 pour me faire poncer hein. Ah d'accord.
vas-y dans l'esprit de poncer. Mec, puis je me dis qu'en fait, si je joue là, ouais, je vais pas fumer, tu vois. Ah, d'accord. Ou très peu, tu vois. Et faut jouer à Dockston pour fumer. Et du coup, ouais, exact. Et Dockston, ça t'enjaille pas, c'est ça? Bah, pff. Tu connais, mec. En fait, j'ai téléchargé Heart of the Swarm. Pas Heart of the Swarm, le jeu de cartes de merde. Ouais. Vous regardez jouer. T'es pas. Bah, je suis nul à ce jeu là, mec. De toute façon, c'est pas, même pas que t'es nul, tu connais pas le jeu. T'as pas de cartes, tu connais pas le jeu. Forcément, t'es nul. Mais c'est pas de ta faute. Tout le monde aurait été nul à ta place. Oh, c'était une belle action, ça. Par contre, faudra que tu fasses gaffe, t'es du mauvais côté là. D'ailleurs, je suis du mauvais côté. Bah, tu vois, moi, à chaque fois que je suis de mon côté, je me tape les connards qui bump, tu vois. Et à chaque fois, je m'en tape dans la base. Jump, qui jump, tu veux dire. Ouais, ça fait trop chier ça. Oh, oui, je connais bien. Parce qu'en plus, là, tu veux que je fasse quoi, moi, en vrai? Fais un minéral, gros. Non, non, ça, c'est hors de question, frère. Comment ça que tu fasses quoi? Bah, je fais quoi, genre? Pourquoi tu veux pas faire un minéral? Moi je fais cette game de copain avec Dal, puis ensuite je viens de spectate sur Dockston si tu veux. Mais non, mais je t'ai dit que j'allais pas jouer à Dockston. Écoute rien. Va te faire foutre, j'en sais rien. Il écoute rien. Je vais me binder une terra noire. Lui il a dit va te faire foutre. Lui. Non, au bout d'un moment c'est bon. Ça. Pour aller faire du big priest en vrai. Bah ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Pas pour... c'est vrai. Ok, on va faire durer la game et ça va durer 20 minutes. De toute façon, j'ai tagué un C1, mec. Je suis contre un terrain. Pour une fois qu'il y a d'autres choses. Bénémable, bénémable, ta chère Swan. Nous remercions. Gentil. Hein. Ta bien séance, frère. Tranquille, sale pute, hein, frère. Hey. Parle pas Morales comme ça, les gentils. Ton Morales, ça me donne tellement envie de déboîter les sphinxters. C'est vraiment un nom. Hein. Tellement envie de quoi? Déboîter des sphinxters. Qu'est-ce qu'il est con, tu vois. Le mec Morales, quoi, ça me met l'eau à la bouche. Mec. Morales, c'est formidable. Je sais pas, j'entends ça, mec, j'ai envie de sortir ma queue, de taper sur le bureau. Mec. C'est n'importe quoi. Non, mais... Et lieutenant Morales, ça te plaît encore plus? Ah, je sais pas, faut voir son tour de rein. C'est le médic en plus, t'aimes bien. Ça avance, tape les kaboomers. Ah, ouais, mais tu vois, tes canons ils vont prendre cher avec les kaboomers. Je me disais bien que j'étais excité. Peut-être t'as pas mis tes points en bâtiment. J'ai oublié. Le mec. Il est chelou ton pote. On va te faire foutre avec ton scout. Tu vois comment on parle, comment faut leur parler aussi. What? Ah what, qu'est-ce qu'il y a, what? Qu'est-ce qu'il y a? Petit massé. Voilà, tu vois. Pilon éteint, je peux pas fumer. Direct. Instantané, mec. Ça te montre trop. Crédit désespoir. Alors, à main, on se fait poncer? Ah, il a perdu un canon. Ça va. Mais tu vois, il aurait pris la vie sur les canons, il aurait pas perdu. Oui, ça lui aurait demandé le micro pour faire ça, non? Non. Comment je répare un canon, Toss, explique-moi.
Eugénie. Moi je peux, je crois. Avec Swan? Ah ouais, tu peux réparer les unités mécaniques, mais. Bah, je crois que je peux que réparer les canons. Hein. Bah, ouais, c'est mécanique donc tu peux, normalement. Mais bon, ça me bouffe du minerai quoi. Le pauvre, ça lui bouffe du minerai, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte? Tu peux pas me faire ça! Ah, Swan, c'est bon à sortir. Bon, par contre, une fois que c'est sorti, tu roules sur tout, mais c'est bon à sortir. Carax, on en parle quasiment à sortir, frère. Ou... Oh là là, ces chats ils m'ont burné. Oh là, ils vont prendre une, mais ça va être royal. Putain, je vais les enculer. Ah non, mais mec, il me rend fou, frère. Il grave, ce mec. Comment tu veux jouer à un jeu qui demande déjà de la concentration? Le mec il m'a disrespect, il est parti sur B3 gros. What? Ama. Quoi? Ama quoi? J'ai juste laissé un petit chemin exprès parce que je vais s'ouvrir à gauche après. Attends, ça va. Ah, c'est pas grave, mec. Le mec il m'a bloqué quoi. Vous avez fini de vous faire soulever? Trop fort. Ah, c'est des ergues. Il est pas chaud que je le nique quoi. C'est déjà la nuit. Il peut reculer! C'est con qu'il tire pas en marchant les Goliaths. Bon, ça sera tellement pété après. Bah, tu peux faire un peu du ten run avec l'aérien. Tu veux pas des pipes au miel aussi pendant que tu. Ils tirent instant, ils ont une portée de malade et. Voilà quoi. Non, mais le mec veut des pipes aussi en même temps. Ah, pourquoi pas? Moi j'aime bien, tu sais. Tu sais. Non, je sais pas, gros. J'aime bien. Ah, t'es con quoi par là, franchement. Quel homme n'aime putain, pas. J'avais oublié qu'il fallait que je fasse mon fait. Fuck. Bah, t'as le temps, c'est quoi ton fait? Brûler avec la lance solaire. Hein, mais faut que ouais, c'est bon, t'as le temps. Le mieux à faire, c'est ici, je pense. Il faudrait que j'ai de la vision, du coup, en fait, à chaque fois. Fils de pute. Ah, bah, je vais faire un ops ou pas avec Carax? Attends, je vais t'envoyer le truc à la barricade. Oh, y'a pas assez là. C'est quoi cette 200 dans la. Oh putain, y'a le truc ouais, qui stun. 200. Y'a des mecs qui stun, hein, faire gaffe. Là, regarde. Ici, là, y'en a plein. Y'a pas la spell. Putain, ils m'ont ouf. Du V-spin. Oui, y'a du suffocateur là. Merde, j'ai oublié que je voulais un scan. Oh le con. Fils de pute. Ouais,
Un Aston du Goliath. Si t'as le sort, c'est le moment, mec. Hein. Moi j'ai pas, j'ai mis ça. Parce que là, il y en a une chier. Hein. J'ai vu que mes canons sont faites cartoucher, t'aurais dû me le dire. Fils de pute. Oh merde! Oh putain, ces chats, je vais les rafaler, frère. Il veut tuer des chats, l'enfoiré. Mec, ça fait 2 heures qu'ils se foutent sur la gueule, gros. Ils foutent le bordel partout dans l'appart. Et surtout, et c'est ça le plus grave, qui nuise à ma concentration, mec. Le truc. Parlez plus fort. Non. Un truc à faire sauter. Et ça nuira ma concentration, franchement. C'est pas censé être permis, quoi. Opérationnel. Et l'autre qui défend comme un trou de balle là. J'ai failli, oh. Si je pouvais te mettre un doom drop, fils. Je vais mettre un doom drop, un truc excité. Entendu. Oh, c'est que j'ai pas assez. Qu'est-ce que c'est? La bataille. Quelle est la cible? Envoyez la sauce, allez-y. Champ de minerais épuisé. Bougez-vous, j'arrive. Où il est parti là? Aux choses sérieuses. Ok. Votre évacuation sanitaire est là. C'est parti. Le mec a mis 320 tourelles. Tu peux même pas le dropper. Écoute-moi, tu vas te manger un hack click des familles, toi. Je vais pas tryhard sur ce genre de pédéraste. Allez-y, envoyez la sauce. Où est-ce qu'il faut là? Tac. Tac. Très bien, je prends tout. Faut se mettre sur la gold aussi quand même. Sur des torts. Là tu peux faire ton sort mec, il y en a beaucoup. Il est sur des torts 1-1-1. Il n'y a pas la vision. Ah merde, 35. J'ai pas fait la troisième. Run by de Helion. Faut que je le fasse aussi moi ce offert. C'est le tournoi by the new brick. Ça c'est bien avec Swan, c'est que les verres de Midus, tu peux focus tranquille quoi. Je pense nulle part là.
fait quoi ce one de plus? Bah il a la Draken. Okay. Et vu que t'as la vue toujours sur les Nidus normalement, en fait avec la Draken tu focus tranquille. Carax quoi, Pétax en def. C'est quoi son trick ça lui là? Il jouait la probe. Ils sont fermés, c'est ça? Qu'est-ce qu'elles sont cool ces probes des fois, je te jure. Vas-y mais il me casse les couilles lui, mais nique ta mère putain. Oh là 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 là, ils font chier. Pas tout hein, au fait il proc pendant ou à la fin? Après, normalement. Et comment je vais pour savoir? Buter le gyrophage. Vas-y. Il va multitasker trop de balles maintenant. Ah, ça a 10 000 de vie quand même, cette merde. Gagne combien? C'est juste les... 5-6, hein, pas plus. Parce qu'après, c'est vraiment dur après. Hein. Ouais. Après, il y a plein de verres de Nidus tout le temps et tout. C'est chaud. Après, on a de la chance, c'est pas des Terran, hein, c'est des Zerg. En Terran, mec, ils te font des drops bases et tout. Ouais, solide.
Ah, regarde là, t'en as une chier là. J'ai pas le spell. Le mec il m'enferme chez moi. Non, t'as le pacha de la gauche. La bataille nous attend. Tank pour l'instant, non, ça va venir après. Mais il y a des mobs chiants là, il y a des mobs qui stun et tout, c'est casse-couille quoi. J'ai bien fait de faire des grandes défenses sur le plus haut des plateformes et tout. Mais nique ta mère. Ah, ça pète les nuits, c'est tout. Je vais me rendre vieux dans lui. Bientôt, je suis fou là. Ils sont mes vikings. Il va abuse de toutes les zones de la carte comme ça, putain. Impossible, je fais ce qu'il faut. Impossible. Ça, c'est quand même fort, les Goyats. Pour être fort, c'est fort. C'est les Goyats de Swan avec des améliorations PT. Toi, tu peux même pas sortir de chez toi, quoi! Putain, il me casse les couilles! Pas en train de se faire casser le cul. Oh fuck! Ouais, par des fils de. Voilà. Je monte bien plus haut que lui, encore une fois, je me fais pas mal. Après, je peux plus jamais remonter. On est trop. Vas-y, tchou les tontons. Ciao, ciao. Disconnected. Salut les tontons. Des bisous.